Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors, capitaine Lavanchy, le chef de centre de Morzine et notamment aussi de la station d'Avoré, qui est la même commune. Ok, alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors, moi, c'est Julien Rénal. Alors, j'ai 28 ans et je suis venu donc faire une saison hivernale sur le centre de Morzine. Et mon centre d'affectation principal, donc tout le reste de l'année, c'est Florac, à Lozère. Voilà. C'est la première année que vous êtes saisonnier à Morzine ? C'est ça, c'est la première année que je fais une saison d'ailleurs, que ce soit pompier ou autre chose. Et donc voilà, c'est une opportunité qui s'est présentée à ce moment-là de ma vie, donc je l'ai saisie, simplement. Que vous pouvez me présenter du coup ce centre ici et celui d'Avoré alors ? Alors le centre de secours de Morzine, il est composé de 33 sapeurs-pompiers. Dans cet effectif, on a 3 sapeurs-pompiers professionnels et une infirmière. Voilà. Et le reste du personnel est composé de sapeurs-pompiers volontaires. Après, on est renforcé en saison par du personnel qui vient d'autres départements. En l'occurrence, pour l'hiver, on est renforcé par 7 saisonniers sur Morzine. 7-8 saisonniers sur Morzine. Voilà. Et pour la station d'Avoria, c'est une station qui est ouverte uniquement en saison, donc 4 mois et demi pour l'hiver et 2 mois pour l'été. Donc avec un encadrement professionnel. Et puis des saisonniers qui sont au nombre de 6 pour l'été et de 8 pour l'hiver. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le système de garde qu'il y a dans la caserne ? Alors, on a deux systèmes en gros de garde. On a la garde qui est de 7h du matin jusqu'à 19h, là qui est prise par les saisonniers, entre autres, là quand ils sont là pour nous renforcer sur la saison d'hiver, par une équipe de renfort, une équipe renfort du Chablais qui vient pour que l'effectif soit la journée, donc de 7h à 19h, un maximum de 6 personnes. Voilà, c'est l'effectif qu'on doit avoir sur la journée, avec les professionnels du centre également. Et le relais est pris par la suite de 19h jusqu'à 7h du matin, la nuit, par les volontaires qui assurent également donc les gardes sur le week-end. Comment sont réparties les gardes dans la caserne ? Alors, on fait 17 gardes, plus ou moins une, de 12 heures par mois. Voilà. Donc il y a un planning qui est établi par la personne compétente de façon à ce qu'on ait des jours de repos après nos jours de garde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à partir de quel âge et comment on peut devenir sapeur-pompier volontaire ? Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut avoir donc la majorité, c'est-à-dire l'âge de 18 ans, être de bonne moralité, hein, c'est-à-dire s'intégrer correctement dans un effectif assez large au niveau des pompiers, être sportif,
et avoir, oui, donc de bonnes conditions physiques et avoir également c'est-à-dire une visite médicale, voilà, qui est demandée donc à chaque recruteur. Au caserne, il y a une section de jeunes sapeurs-pompiers. Alors malheureusement, on n'a pas de jeunes sapeurs-pompiers, voilà, de groupe de jeunes sapeurs-pompiers. Ça nous demande beaucoup d'investissement et pourtant c'est le bassin, disons, de recrutement indispensable au niveau des sapeurs-pompiers volontaires. Mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour pouvoir faire un encadrement au niveau des JSP. Et du coup, il y a combien d'équipes environ dans la caserne ? Je crois qu'ils sont 4. Il y a 4 gardes à l'année qui assurent les départs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du centre. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi les pompiers n'interviennent pas sur les pistes de ski en hiver ou en été ? Alors pour l'hiver, c'est les domaines skiables qui sont responsables au niveau de leur domaine par rapport à l'assurance, au niveau de la prise en charge de l'accidentologie au niveau des accidents de ski, pardon. Donc ils ont leurs pisteurs secouristes qui sont formés et qui sont à même de prendre en charge les accidentés et de les transporter soit par hélicoptère médicalisé ou les transporter directement au cabinet médical. Ces secours, par contre, ne sont pas mis en place sur l'été. Et l'été, tout ce qui concerne les accidents de VTT, là, sont assurés par les sapeurs-pompiers. Voilà. Donc ça nous fait des pics d'intervention de 100 à 150 interventions par mois. Et on est un peu sur le secteur qui est très développé au niveau des pistes de VTT. Et ensuite, donc, il y a plusieurs types de gardes. Donc, il va y avoir les gardes actives, les gardes simples. Donc ça, c'est des gardes qui se font en caserne. Et ensuite, il va y avoir les astreintes. Donc les astreintes, on n'est pas tenu d'être en caserne. Donc après 19h, ici, il n'y a plus de garde simple, garde active, on passe en astreinte. Et il faut qu'on soit capable d'armer un véhicule en moins de 10 minutes. Voilà. Ok. Yo, listen up, here's the story about a little guy.